Bonjour à tous les élèves et toutes les familles de l'école Lucien-Guilbeault. Je prends quelques secondes de mon temps pour vous demander comment vous allez. J'espère que vous vous portez bien. Allô, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Salut, j'espère que tu vas bien. Salut, alors je me demandais comment ça allait et comment ça se passe malgré la situation difficile que nous vivons tous présentement. Hey, salut, cher élève. Je suis contente de pouvoir te laisser ce message. J'espère que tu vas bien. J'espère que toi puis que tes proches êtes en santé. Plus que jamais, restons chez nous. Bonjour. Bonjour, cher élève. Oui, toi. Ah, oh, je m'ennuie. Je me garde occupée. Je regarde dans le classroom. Je vous fais des coucous. Coucou la gang! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut les élèves de Lucien Guilbeault. 3 semaines déjà. On est parti bien vite. Donnez-nous des nouvelles, on est connectés, on travaille encore, c'est important pour nous. On veut être certain que tout le monde est en santé. Notre plus grand souhait, évidemment, c'est de pouvoir vous revoir avant la fin de l'année scolaire. Je sais que cette crise peut amener beaucoup d'insécurité et que ça peut aussi créer du stress, mais sachez que je suis là pour vous et que tout va bien aller. Je pense à vous tous les jours et j'ai bien hâte de vous revoir en espérant que ce sera bientôt. Écoute, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. Je tiens à envoyer cette petite vidéo-là pour te dire que j'ai vraiment hâte de retourner travailler. J'ai hâte de te revoir. J'ai hâte qu'on se raconte plein de choses, que tu me dises ce que tu fais, où tu es rendu, puis ce que tu deviens. Chose certaine, c'est que j'ai très hâte de te revoir. Je vais en profiter pour te dire que je pense souvent à toi et que j'espère te revoir rapidement. En attendant, je vais te souhaiter de passer du temps de qualité en famille afin de faire des choses que tu n'as pas toujours le temps de faire. Alors, malgré les événements que nous vivons qui nous font vivre énormément d'émotions, sache qu'on peut en retirer beaucoup de bon. Je reste disponible pour toi. N'hésite pas, contacte-moi, ça va me faire plaisir d'entrer en contact et de travailler avec toi. Je prends cet instant pour te dire bonjour et te dire que je pense à toi et que ça va bien aller. Juste te dire que tu me manques, j'ai hâte de te revoir. J'espère que tu te portes bien, surtout, hein, que tout se passe bien chez toi, puis que tu te sens pas trop isolé. Profite du beau temps pendant que les parcs sont encore ouverts, pendant que tu peux encore aller bouger. On n'est pas confiné à l'intérieur, on est confiné loin des gens. Fait que j'espère te revoir d'ici quelques semaines. Je pense fort à vous. J'espère que vous vous portez bien, que vous restez à la maison, puis vous prenez du temps avec vos petites bêtes, comme la mienne qui fait dodo encore. Mais sinon, que vous prenez du temps pour faire de l'exercice, apprendre des nouvelles choses, cuisiner, aider à la maison, vous amuser, profiter des beaux moments avec votre famille. Je pense fort à vous. J'ai hâte de vous voir. J'espère que ça sera bientôt. Comme vous pouvez voir, je suis toujours bien occupée. Je ne cacherai pas que vous me manquez, que je pense à vous. Puis j'espère vraiment que vous profitez de cette temps de pause-là pour faire des choses que vous n'avez jamais le temps de faire et qui vous plaisent. Donc, j'espère qu'on va se revoir très bientôt là, pour continuer tout ça ensemble. Sachez qu'on pense à vous, on est là pour vous. J'espère que vous allez bien. Je vous lance un défi aujourd'hui. Je vous lance un défi à chaque jour d'écrire à quelqu'un qui vous manque. Une lettre, un courriel, un message, c'est pas grave. Garde un contact. D'ici là, faites attention à vous, on lâche pas, ça va bien aller. Entre-temps, prenez bien soin de vous et de votre famille. Bye bye! D'ici à notre tour, porte-toi bien, prends bien soin de toi, puis j'espère qu'on va se revoir bientôt. Bye! Salut, bye! Prends soin de toi, à bientôt. Take care, bye! Au plaisir! Bye! Malgré tout ça, vous me manquez, puis j'ai hâte de vous voir. Bye! Au revoir! Bye gang, à bientôt.